Mais je te dis que c'est ma photo. C'est moi qui l'ai faite. Ça fait chier là. Putain, je te jure, tu te souviens pas, t'as fait bouton. Mais tu te... Regarde tes négatifs là. Regarde. Mais c'est la mienne. Mais il y a mon nom là, regarde. C'est toi qui dois choisir la photo de moi. Oui, mais tu dis ça parce que tu as déjà choisi une photo. Bah oui, mais moi j'ai choisi celle-là, moi. Oui, mais c'est celle que j'avais choisie. Ah ben, on parle tous les deux de la même, alors. Mais il y a un monsieur qui est devant. Non, mais le monsieur, il va s'en aller, tu vois, parce qu'on appelle la police. Arnaud fait croire que c'est lui qui a fait la photo. Et en fait, c'est une photo à moi. Et comme il aime beaucoup cette photo, il a dit que c'est lui. Et il ne se souvient même pas, il était complètement sous. C'était en sortant de chez Castel. Je le laisse raconter, il se souvient mieux. Il invitait les gens pour le journal, il faisait ses interviews chez Castel, et ça se terminait toujours très tard, il était toujours bourré. C'était quelles interviews déjà ? Pour les mardis de Charlie. Tu vois, hein ? Il est nul, hein, il ne sait même pas de quoi il parle. Ben non, parce que j'y étais pas. Ben oui. Mais je me souviens très bien quand j'ai fait la photo. Mais ce n'était pas les mardis de Rakiri. Mais si, je te dis que non. Mais tu l'as mis dans le livre. Non, c'était pour les alcooloscopies. Oh, c'est pareil, ils étaient complètement bourrés. Ça revient au même. Quand Choron, vers la fin de Harakiri, avait une rubrique qui était vraiment la meilleure, qui restait dans le journal, les alcooloscopies, avec les gens qui l'invitaient, ça se faisait toujours chez Castel. Et évidemment, il arrosait, il était bourré au champagne. Choron, quand il sortait, oui. Il gueulait tellement dans la rue que ça faisait un peu, tu sais, les gens du quartier, ils appelaient et puis les flics arrivaient. Sauf que Choron, la plupart des flics du quartier, les connaissaient puisque c'était pas si loin de chez lui. Et c'est pour ça qu'il repartait comme en limousine, tu vois. Mais ce qui serait pas mal, c'est que tu parles de ta photo avec Mitterrand et... Mais c'est celle à laquelle je pensais, justement. Hein, parce que là, c'était... Moi, c'est une de mes photos préférées que tu as fait. Oui, on va aller la voir. Hein. Et alors donc, cette photo où j'étais tout seul, au Dodin Bouffant, avec Choron, parce qu'il m'emmenait souvent au Dodin Bouffant, tu vois, après le bouclage... Quand tu n'étais pas là, j'allais boire un coup avec lui. Tu vois, et un jour, il y avait Mitterrand qui était en train de bouffer en tête à tête avec une femme. Choron, voyant ça, il se lève. Il était déjà un petit peu bourré, il se lève et il se met à chanter Mamamoudia. C'est une chanson où il y a un noir qui est affamé. C'était l'époque du Biafra. Et il se met à chanter... une chanson où ça parle d'un noir qui est affamé, qui n'a pas à bouffer. Il est venu la chanter à Mitterrand, si tu veux. Et Mitterrand n'a pas du tout bougé, il a à peine regardé Choron. Mais dans la salle, les gens commençaient à trouver ça insupportable. Et discrètement, le patron est venu tirer Choron pour l'extraire de là, pour le virer. Et ensuite, Choron s'est bourré la gueule. Et dans des photos, dans d'autres photos qui sont pas là d'ailleurs, parce qu'elles sont dans le livre, parce qu'on a fait un livre avec ces photos, et c'est dans le livre que tout est expliqué en fait. De A à Z.